Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a construit une cabane qui est en cours pour les filles dans l'arbre. Et donc, nous avons dû investir dans du nouveau matériel. Comme à l'habitude, vu qu'on a rénové notre maison, la marque Bosch nous satisfait, donc on a continué avec. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons acheté une scie circulaire PST 9500 PEL. Ensuite, nous avons acheté une perceuse un peu plus puissante lorsqu'on a besoin de percer des trous. Avec une force plus importante que la perceuse visseuse simple. Et nous avons investi également dans cette grande mallette Bosch, comme c'est écrit vu à la télé. Donc dedans, c'est le coffret, la perceuse, trois batteries, 241 pièces et accessoires, et donc avec tout le matériel nécessaire. Alors, je vous fais voir la mallette. Là, voilà, elle est toute belle, aux couleurs de Bosch, et en plus elle est hyper pratique à transporter partout. Voilà, je l'ouvre pour vous montrer l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous pouvez voir la perceuse, les trois batteries 18 volts, donc il y en a une de dessus quoi, direct en place, le chargeur avec la prise. Ensuite, nous avons 10 différents embouts de vissage. Donc des embouts hexagonales ou des embouts comme les tournevis plats, tout simple. On a également différents embouts pH. Comme vous pouvez le voir, je vous montre de biais. Chaque accessoire, chaque lot d'accessoires est emballé dans un petit sac. Bon là, elle est toute neuve, donc ça reste encore au sac, mais je pense que pour le côté pratique, on va retirer tous les plastiques. Donc ça, c'est les embouts T. Torx. Voilà, avec les différentes tailles en fait de vis pour visser quoi. Et pour terminer, on a les PZ. C'est ce qu'on utilise le plus souvent en fait. Les plus classiques. Et voilà. Ensuite, on a différents embouts, comme vous pouvez le voir, de vissage. Voilà. Il y en a encore un autre ici. Ensuite, on a les forêts. On a des forêts à bois, des forêts à métaux, tout ce qu'il faut, quoi. Un peu de chaque, différentes tailles, histoire de pouvoir bien démarrer, en fait, avec tout le matériel. Des mèches aussi. Ça, c'est super. On en a déjà utilisé pour qu'on avait à la maison pour faire l'entrée des nids à oiseaux. On a aussi tout un kit de visserie avec des chevilles. Donc, vous voyez, il y a différentes tailles, différents diamètres, en fait. Et les vis, bah, il y a tout ce qu'il faut également. En fait, c'est un bon kit de démarrage, quoi. Différentes longueurs, différentes tailles de tête. Et oui, mais moi, je commence à bien m'y connaître à force d'aider mon mari à faire la cabane. Et d'aller acheter le matériel qui nous manque. Voilà pour ce qui se concerne cette belle mallette. Le seul petit inconvénient que je pourrais dire, c'est que, bah, en fait, vu que c'est de la mousse, ça prend facilement, ça garde facilement la poussière. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a un petit peu de poussière, c'est parce qu'on a fait la scie sauteuse et la mallette était ouverte à côté. Donc voilà. Si j'aurais une amélioration à faire, ce serait que ce soit du plastique, comme ça, un petit coup de chiffon et c'est bon. Mais sinon, elle est parfaite et on est très satisfait pour l'instant. À voir à long terme. Voilà pour la perceuse sans fil. Je vais maintenant vous présenter un petit peu plus en détail la scie circulaire. Donc je reprends. En fait, comme vous avez pu le voir, je me suis plantée. C'est pas une scie circulaire, c'est une scie sauteuse. Mais bon, moi et les termes, certaines fois je me plante. Donc voilà. Donc la PST 9500 PEL. Donc voilà. Elle est hyper pratique parce que bah avec on a coupé tout ce qui est chevron pour la cabane et donc c'est bien pratique. On a avec un lot de mèches pour couper. Donc des boches quoi qui étaient fournies dedans. Et comme vous pouvez le voir sur le petit côté, on a des mèches pour plastique, pour le bois. Donc c'est bien pratique. On s'adapte, on change la mèche au fur et à mesure selon le matériel qu'on a découpé. Voilà. Et on en est satisfait également. Et voilà. Et maintenant je vais vous présenter un peu plus en détail la perceuse. On va ouvrir la boîte ensemble. Je me tourne. Et donc, tadam!
La voici. La perceuse. Donc celle-ci, c'est une filière, on a fait exprès hein, pour avoir la puissance. Et puis, vu qu'on a déjà l'autre perceuse que je vous ai montrée avec le coffret, la mallette, celle-ci sera en complément pour forcer un peu plus. Et donc avec, on a un lot de 4 forêts. Diamètre 4, 5, 6 et 8. Et voilà. Donc ce sera parfait pour pouvoir continuer notre bricolage. Et puis, vu que dans la cabane, ce qui est le projet actuel, on va mettre l'électricité et, avec des lumières et tout ça, pour faire un lieu convivial pour la famille, elle va nous être bien utile. Et voilà pour le matériel neuf que je vous présente aujourd'hui. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter le reste de nos outils Bosch, tout ce qui est ponceuse et meuleuse notamment. Voilà, bonne journée !